3 épisodes sur la Bretagne sans parler directement de la mer. Un exploit en somme, sachant l'importance de celle-ci pour le pays. Tant que la mer sera comme une enceinte autour de lui, que mon pays soit libre, dit l'hymne breton. Il était grand temps que nous nous penchions sur cette étendue qui éveille en moi un paradoxe, une dissonance. Toujours elle me fascine par sa beauté sauvage, celle de ses rivages qu'elle dessine toujours différemment. Souvent elle m'effraie par sa puissance surhumaine et ses profondeurs inconnues. Quelle ville pourrait être plus liée à l'océan que Brest ? Aucune. Cette ville est résolument tournée vers la mer, ouverte aux quatre vents. J'ai travaillé 6 mois durant dans le port de Brest, une expérience ravivant mes sens. Une belle vue de la rade, les odeurs iodées, le cri des mouettes, le tintement des mâts et une fois, le chant de marins sud-américains, heureux d'enfin arriver sur une terre ferme, leur énorme voilier perçant le brouillard matinal pour entrer dans la Parfelde, la rivière de Brest, et passer sous le pont de Recouvrance, autrefois le plus grand pont levant d'Europe, portant le nom de l'ancienne ville Recouvrance sur la rive droite, tandis que Brest, à proprement parler, en était la rive gauche. Brest est un incontournable du trafic maritime entre le nord et le sud de l'Europe, de par sa localisation bien sûr, et les dangers des côtes alentour. Les navires passent au large de la pointe Saint-Mathieu, où se trouvent les ruines de l'abbaye Saint-Mathieu, dans son nom entier, l'abbaye Saint-Mathieu de Finterre, autrefois liée à Brest, qui a d'ailleurs donné son nom au département. Cette localisation permit l'essor du port qui devint l'un des plus importants de tout l'Occident dès le Moyen-Âge. Cette richesse attira les convoitises, et les Brestois durent se pourvoir de défense, notamment contre les Vikings qui ravageaient les côtes bretonnes et s'y installèrent même de manière permanente, avant de se faire expulser par Alain Barbetorte, premier duc de Bretagne. Brest est livré aux Anglais, alliés de Jean de Montfort durant la guerre de succession de Bretagne de 1341 à 1364, qui verra son camp triompher contre celui de Charles de Blois et des Français. La ville se retrouve ainsi tour à tour sous la domination du duc de Bretagne et du royaume d'Angleterre. Les fortifications de la ville seront améliorées par Vauban, comme de nombreuses autres structures défensives de la région. Toute la rade de Brest sera pourvue de défense grâce à l'architecte, faisant de cette mer intérieure un havre de paix tout bonnement inaccessible aux ennemis, devant voguer dans le goulet de Brest, protégé par de nombreuses batteries d'artillerie. Cela n'empêchera pas quelques tentatives, notamment des Anglais, qui en 1512 attaque Brest et livre un combat à 3 navires contre 1 dans le goulet. Mais la Cordelière, navire breton, parviendra à envoyer par le fond ses adversaires avant de sombrer à son tour. Les conditions sont réunies pour mettre au point un grand arsenal à Brest. Durant la seconde moitié du XVIIe siècle, Brest était capable de fabriquer une frégate en 22 heures. Encore aujourd'hui, la rade est considérée comme étant une mer intérieure difficile d'accès, et abrite la puissance de frappe nucléaire française et l'un des lieux les plus secrets de France, l'île longue de l'Amphéoc, où les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins sont équipés. Au XVIIIe siècle commencent les grands voyages d'exploration où s'illustrent au départ de Brest, Bougainville, Kerguelen et la Pérouse. Le jardin des explorateurs abrite des espèces botaniques rapportées des quatre coins du monde par des explorateurs et des botanistes partis de Brest. Tel le bougainvillier ramené par Bougainville. Ce siècle est aussi celui de la Révolution. La ville s'engage majoritairement dans son sens. En 1792, ce sont même les fédérés brestois qui, avec des fédérés marseillais, prennent les Tuileries lors de la journée du 10 août 1792. En 1917, Brest est l'un des 2 ports de débarquement de l'American Expeditionary Force, venu se battre aux côtés de la France lors de la Première Guerre mondiale. Des milliers d'hommes vont stationner dans la ville en attendant de partir au front. L'activité portuaire restera ainsi soutenue jusqu'en 1919, lors du réembarquement de ses troupes. Au total, on dénombre plus d'un demi-million d'hommes
étant passé par Brest pour aller se battre à l'Est. Les États-Unis érigèrent en 1930 le Naval Monument, plus connu sous le nom de Tour Rose, pour commémorer l'action de leur marine sur le théâtre européen. Ils choisirent Brest, qui fut leur quartier général, principal port de débarquement, et accueillit également Woodrow Wilson. Cette tour tomba un peu plus d'une décennie plus tard. Les Allemands la remplacèrent par un bunker. Si Brest fut épargnée lors du premier conflit mondial, elle peut être aisément qualifiée de ville martyre lors du second. La ville fut anéantie par les bombardements des forces alliées, visant à détruire la base sous-marine construite par les occupants. Ces bombardements dureront du début de l'occupation à la libération de la ville en septembre 1944, après un siège de 43 jours, connu sous le nom de Bataille de Brest. Suite à celle-ci, la ville est en grande partie détruite. Entre 1940 et 1944, Brest fut la cible de 165 bombardements qui firent presque un millier de morts et autant de blessés. Pendant le siège, c'est un déluge de feu qui s'abattit sur la ville. L'abri Sadi Carnot, ultime refuge des soldats allemands et des 2000 civils restés sur place, explose. C'est l'épisode le plus meurtrier de ce siège. Sur les 16 000 immeubles existants avant-guerre, seuls 200 étaient encore debout, dont 4 seulement dans le centre-ville. Brest était une ville vallonnée avant la guerre. Désormais, elle est aplanie. Le choix d'une conception urbaine moderne est fait. Par endroits, le nouveau plateau de la ville est à une dizaine de mètres au-dessus du niveau du sol originel. Aujourd'hui persistent les derniers vestiges du vieux Brest, dans une ville moderne. Le château, la tour Tanguy, ou encore la rue de Saint-Malo, dans le quartier de Recouvrance. Seule rue contemporaine de la Révolution à avoir été épargnée. C'est en découvrant cette dernière qu'on peut entrevoir le charme que devait avoir la ville avant sa destruction.